Bonjour, au nom du jury des Vendanges littéraires de Rivesaltes, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous voir si nombreux. Ce qu'il y a de bien avec les vendanges lorsqu'elles sont littéraires, c'est qu'elles peuvent avoir lieu en toute saison, en particulier au mois de mars. Et il est vrai qu'il ne s'agit pas à proprement parler des vraies vendanges littéraires. Celles-ci auront bien lieu le 29 et le 30 septembre prochain, et ce seront les 10e. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une cuvée spéciale destinée à célébrer un événement qui nous tient à cœur. C'est la parution d'un livre de Michel Onfray consacré à Albert Camus. Cet événement nous touche de près à double titre. D'abord, Michel Onfray est pour nous un auteur fétiche, l'auteur fétiche des vendanges littéraires. Il en a été le lauréat en 2009 et déjà sa venue avait attiré tant de monde que nous avions été obligés au dernier moment de déplacer sa conférence sous le grand platane du centre-ville. D'ailleurs, peut-être un jour ce platane s'appellera-t-il platane Michel Onfray, n'est-ce pas, monsieur le maire? Voilà. Et puis, il y a bien sûr Albert Camus, le grand écrivain, le philosophe, l'homme engagé qui, contrairement à beaucoup d'intellectuels, ne s'est jamais trompé de combat. Mais je voudrais surtout insister ici sur l'attachement de Camus, lui qui fut à bien des égards universel, son attachement à l'Espagne et en général et à la culture catalane en particulier. Cet attachement est bien sûr dû aux origines de sa mère. La mère de Camus était une catalane des Baléares et Albert Camus a tenu lui aussi à marquer par l'écriture cet attachement en traduisant des poèmes d'un grand poète catalan, Maragall, Joan Maragall. Voilà, et notamment un poème qui s'intitule Le chant spirituel, qui est un très beau poème. Voilà, alors, Michel Onfray, nous sommes heureux de vous accueillir une deuxième fois. Donc, Marie Bardet, membre des vendanges, du jury des vendanges littéraires, vous posera quelques questions. Et puis, en deuxième partie, comme l'a dit Christian Discipio, vous serez invité, vous aussi, à poser des questions à Michel Onfray. Mais pour commencer, donc, je voudrais vous demander pourquoi Albert Camus, pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous lancer dans une défense à la fois très argumentée et très véhémente d'un écrivain dont l'œuvre aujourd'hui est unanimement célébrée. Merci Bernard pour ces mots d'amitié, mais il faut faire attention avec les platanes, ça peut être fatal aux philosophes. On peut écrire un livre sur Camus par hasard. Pourquoi est-ce que j'ai écrit sur Camus? Parce que je voulais réparer une injustice. Et c'est parti de la guerre d'Algérie, cette histoire d'Albert Camus, avec des gens qui me disaient « penseurs des petits blancs, des pieds noirs, du capitalisme, etc. » En fait, toutes ces choses un peu sottes qui sont dites sur Albert Camus. Et j'ai fait savoir à ces gens-là que ça n'était pas vrai, que c'était plus subtil que ça, et que la guerre d'Algérie telle qu'elle était pensée l'était dans les catégories de Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire dans les catégories ultra-subjectives du marxisme et du marxisme-léninisme très précisément, et qu'il fallait penser Camus dans sa généralité politique, ce qui n'avait jamais été fait. Une grosse bibliographie sur Albert Camus, Camus et les femmes, Camus et l'Algérie, Camus et le théâtre, Camus et ceci et cela. Mais il n'y avait pas grand-chose, on peut même dire rien du tout, sur Camus et la politique. Et donc je me suis dit, je vais faire un livre sur ce sujet-là, parce que j'en parlais à des gens qui voulaient qu'on fasse un film sur Camus et la guerre d'Algérie. Et je leur avais dit que pour être un petit peu plus informé avant d'envisager ce synopsis pour le film, il valait mieux que je travaille un livre d'abord et qu'on envisagerait le film ensuite. Et puis, je suis tombé amoureux de ce personnage que j'aimais déjà, mais une espèce de retour de flamme, on dira, parce que j'ai lu l'œuvre complète, j'ai lu la correspondance complète, et j'ai trouvé un homme impeccable, vraiment impeccable. Et je me suis dit,
Tout ce travail que je fais depuis 10 ans à Caen, à l'Université populaire, un travail de désencrassage, de démystification, de destruction des mythes et des légendes, et je me suis dit, mais évidemment, Camus, il souffre d'une série de légendes. Justement, le fameux Camus, philosophe pour classe terminale, le penseur du capitalisme, le penseur du... Enfin bon. Et cette légende, elle est fabriquée par Sartre. Donc il fallait désartriser Albert Camus, et puis montrer la dimension du personnage, les racines algériennes, méditerranéennes, le père, ouvrier agricole, la mère, femme de ménage, et la fidélité de ce garçon à cette enfance, de cet homme ensuite à cette enfance, et le prix Nobel reste fidèle à son instituteur, à son milieu, à son père, à son époque, etc. Et cette histoire de fidélité, cette histoire de philosophie intempestive, pour le dire dans le vocabulaire de Nietzsche, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pensé son temps, bien sûr, mais qui, en pensant son temps, nous permet de penser le nôtre, m'a paru, par exemple, j'ouvre une parenthèse, mais évident que la guerre d'Algérie ayant été ce qu'elle a été, c'est-à-dire sanglante, violente, brutale, etc., alors que Camus proposait une solution éminemment concrète, pacifique, fédéraliste, libertaire, anarchiste, eh bien, une solution qu'on n'a pas entendue, eh bien, cette solution-là, elle pourrait fonctionner pour la Palestine et Israël, et que l'actualité nous montrait que Camus était d'une grande vivacité, d'une grande intelligence. Donc j'ai souhaité ce livre-là, et puis je dois dire que je ne le regrette pas, parce qu'après... Après Freud, je dois dire que l'exercice de détestation est fatigant. Si vous avez des gens tirer la ficelle et vous apercevez qu'à chaque fois que vous découvrez quelque chose, c'est du négatif, du mensonge, de la fabulation, de la trahison, de la tromperie, etc., etc., de l'intérêt, de l'opportunisme, du cynisme. Enfin, pour Freud, ça a été assez détestable, ce travail que j'ai dû faire. Pour Camus, ça a été exactement la même chose et l'inverse. La même chose parce qu'à chaque fois que j'ai tiré une ficelle, j'ai découvert des choses extraordinaires. Personnage impeccable, y compris, j'ai la chance de connaître un peu sa fille maintenant, et sa fille m'a donné 2 ou 3 informations, des courriers qu'elle a reçus par la suite. Et tout ce qu'on apprend sur Camus grandit le personnage. Donc je suis très heureux d'avoir produit ce livre qui est une entreprise de destruction de la légende sartrienne. Et je vais continuer en faisant un texte sur Beauvoir et continuer à distribuer quelques gifles.